Hello la team, on se retrouve une fois de plus, un dimanche de plus, pour une petite vidéo de la bande à jour. On est parti faire la découverte de nouveaux terrains avec Paul. Nouveau terrain bien physique, il faut le dire. Alors où j'avais pas la condition cette journée-là. Et puis j'ai pas le niveau aussi, il faut le dire. Voilà. On était donc à Vigueron, pas loin de Beaumont-de-Lomagne, au VMV Beaumontois. Alors terrain que je pourrais comparer à Moissac. Tout petit terrain. Mais terrain avec des sauts... où il faut en avoir une sacrée paire. Ils envoient haut, les appels en fait sont tellement hauts et les réceptions sont très 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 courtes, ce qui fait que tu n'as pas trop le droit à l'erreur en fin de compte. Alors comme je le dis dans la vidéo, vous allez le voir, je ne sais pas corriger mon assiette, j'ai préféré pas prendre de risque de ce côté là et donc rouler vraiment tranquille sans me faire mal. Alors je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo pour le coup. J'avais déréglé ma GoPro, je m'étais mis en plan large au lieu du plan super view, ce qui fait que j'ai gardé vraiment les morceaux où je parle, parce que déjà juste les appels qui sont hauts, ben, on ne voit pas le haut de l'appel. Vous allez le voir, vous allez comprendre effectivement que le plan large, ce n'est pas suffisant. Donc comme d'hab, pour chaque nouveau terrain, je vous envoie un tour complet sans coupure. Alors bien tranquille, je vous l'ai déjà dit, on a roulé bien tranquille toute la journée. Bon les amis, on y est. On est à Vigueron, au VMV Beaumontois. Première fois sur ce terrain. On va le découvrir ensemble. On va faire un petit tour tout tranquille pour apprendre le terrain. On est aujourd'hui avec Polo et sa nouvelle tenue. Si c'est pas beau ça. C'est de la pâte à modeler là pour le coup, c'est pas mal. Hop, bien poussé. Oh là là, ça m'a mis ça. Ok, d'accord. Ce virage là.
Louise, tu vois, je suis ici vraiment parce que tu m'as dit qu'il fallait y aller. Et puis parce qu'il faut essayer les terrains, bien sûr. Hein. Mais très honnêtement, je reviendrai pour faire essayer aux autres. Ou je reviendrai quand j'aurai un peu plus de niveau. Alors pas que je critique le terrain, mais il est compliqué. Alors c'est chaud. En fait, l'appel, je t'envoie hyper haut. Et la table elle est longue, donc en fait faudrait pas avoir peur de sauter hyper haut. Mais la canal bête. Je sais pas aujourd'hui qu'on va faire des explos. Hein. Ah ouais, t'en vois haut. Que cette petite douleur là qui est pas mal. Hop là. Parce que l'extérieur il est défoncé. Oh. Regardez-moi le polo s'il est pas beau avec sa tenue. Il est pas mal parce qu'il y a de la partie boisée. Ça permet de prendre de l'air. Là tu vois, en fait, si j'avais corrigé mon assiette avec certitude, là je prendrais plus fort. Ou alors il faudrait que l'appel il soit moins raide à la fin, qu'un mois plus loin plutôt que trop haut. S'amuser parce qu'aujourd'hui on va pas chercher à prendre le niveau. On va essayer de braquer le guidon pour faire plus long. Même Paul qui dit je roule tranquille, je suis obligé de m'attendre. Voilà pour la découverte de ce nouveau terrain. On y reviendra, comme je l'ai déjà dit, pour faire découvrir aux autres. Mais on reviendra quand on aura du niveau. On se retrouve donc dimanche prochain pour la prochaine vidéo. On est parti au Lucas Bike Park. Voilà maintenant plus d'un an qu'on n'y était pas allé. Malheureusement, la vidéo finit sur une belle chute. Je vous en dis pas plus. À dimanche la team.